Bonjour à toutes, écho de Pépette. Hier, j'ai reçu un courrier de Chris de la chaîne Languilang. Donc, voici son petit courrier avec des jolies fleurs, des jolis tampons fleurs, un petit message tamponné. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, j'ai caché les adresses des deux côtés et on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier Chris. C'est très gentil de ta part de m'avoir envoyé ce petit présent. Donc, on va déballer ensemble dans du joli papier de soie rose avec du petit washi à petits pois. Voilà. Hop. Je vais essayer de pas abîmer le papier. Voilà. Ah, une jolie mémoire Idex. Merci, c'est très gentil. Regardez, c'est très joli. Christine, tu es un an plus âgée que moi. Ah, c'est bon à savoir, tu n'aimes pas les chouettes ni les licornes. Moi, les licornes non plus, j'aime pas. Mais les chouettes, j'aime bien parce que c'est les oiseaux et j'aime beaucoup les oiseaux. C'est très joli. Donc, deux jolies petites roses en anti-satin. Une petite découpe feuillage. Un petit morceau de dentelle. Une petite fleur de chez Action un petit peu dentelle avec un petit comment on appelle ça brillant dessus, des petites perles, un autre petit feuillage rose, un joli petit papillon avec des petits strass et le mot mis en 3D, merci, et plus des petites perle rose. Elle est très jolie. C'est ma première Memory Dex en plus. Moi, je reçois jamais de courrier, alors forcément. Mais écoute, tu t'es vraiment bien débrouillée, hein? Parce que Christine me disait qu'elle a s'excuser de son retard. Mais si c'était pas grave, hein? Même si tu m'avais pas envoyé, c'était pas grave, hein? Et elle l'a fait à la main, parce qu'elle n'avait pas de die pour faire les Memory Dex. Mais écoute, tu t'es très bien débrouillée, hein? Elle est jolie. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est ma première et je suis très contente. Merci, Christine. Elle est très jolie. Après, un deuxième petit paquet. Oups. Ah, c'est une ATC. Voilà. Très jolie. Ah, en plus de ça, c'est la une sur une. Hein. Ah bah merci, je suis contente. Plus de ça, des ATC non plus, j'en ai pas. J'ai juste celle de Sylvie, Scrap de Sylvie qui m'en avait envoyé une. Vous voyez, ce sera ma deuxième ATC. Et je l'ai toujours gardé, son ATC à Sylvie. Attendez, je vais vous la montrer. J'ai un classeur pour les ranger. J'ai donc la mienne et j'ai celle de Sylvie, du scrap de Sylvie, ma copine. Vous voyez, ça c'était Sylvie. Donc je vais la ranger. Christine, regarde dans mon petit classeur. Merci beaucoup, Christine. Elle est très jolie en plus et elle va essayer l'ensemble avec. Voyez, c'est très joli, pareil. Elle est venue mettre. Oh, pardon, téléphone qui tombe. Elle est venue mettre ses petites fleurs comme sa Memory Dex. Le petit mot merci. Ses petites plumes, le petit papillon. Ses petites découpes. Ils sont très jolis, tes découpes
feuillage comme ça en blanc, Christine. Je sais pas où c'est que tu l'as eu la daille là, mais faudrait que tu me dises où c'est que tu as eu cette petite daille toute. Elle est très jolie, très fine. Et une autre petite daille découpe feuillage ici aussi, comme la mémoire d'Aix. Voyez? Donc je vais la ranger dedans. Hop. On va mettre ça dedans. Voilà, regarde Christine. Elle a trouvé sa place. Merci. Oh bah décidément, ce téléphone, il veut plus tenir. La ventouse, elle tient plus. Voilà. Pour ceci. Après. Hop. Tiens bien, hein, le washi. Hein. Il colle bien. Des fois, on a des washi qui ne collent pas bien, mais alors, celui-là, il colle bien. Hein. Hop. Ah, voilà, sa petite carte. Toujours dans le même thème, Chabi. Parce que c'est que j'aime le Chabi, le vintage. Mais c'est très joli. Une création traditionnelle. Il est joli le tampon là. Artisanal, pardon. Je dis des bêtises. Je suis tellement émue et puis ça me fait tellement plaisir que je dis n'importe quoi. Je vais lire Motimo. Non, non, tu n'es pas hors sujet, c'est très très bien. Bah, si tu te débrouilles bien, tu connais quand même le code, les codes du scrap. Hein. Et bah, tu sais, même en faisant avec le moyen du bord, c'est très joli. C'est très joli. Elle est très jolie. Et ça qui ne veut pas tenir. Bah, écoute, tu l'as bien réussi, hein. Tout est bien réussi. Hein. C'est très joli. Tout le rappel, les petites plumes, le petit mot merci, petit papillon. Un joli fond avec des petits pois, la dentelle. Si, si, c'est vraiment du chabis. Hein. Pas de problème. Et elle est très jolie. Très, très jolie. Merci. Merci beaucoup. Je rangerai tout ça. Et un autre petit paquet. Alors là, l'ouvrir comme ça. Ah, c'est du tulle, un joli morceau de tulle. Hop, ah, il y a des petites découpes avec. Ah, il y a plein de petites découpes. Alors attendez qu'on n'abîme pas tout. Alors un beau morceau de tulle, il est grand, il y en a une sacrée longueur, hein. Regardez-moi ça. Merci Christine pour ce joli tulle. Très joli en rose comme ça. Ma couleur que j'aime bien. Alors, vous avez des petits pots avec des petites fleurs comme ceci. Deux. Très joli. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Les oiseaux. C'est un couple de pigeons. Ce sont des pigeons, regardez, c'est très joli. Ah, j'aime beaucoup les oiseaux. Je sais pas où tu as eu les dailles. Oh, le, décidément, ce téléphone, il ne veut pas tenir. Hein. C'est très, très joli. Hop. Après, on a ceci. Du petit feuillage, croirait des feuilles de vigne. On en a encore une ici. Je tiens mon téléphone parce qu'il veut pas tenir.
Encore une comme ceci. Une avec des petits papillons, des petits cœurs, des petits papillons. Encore une pareil qui est prise dedans la cage, la même avec des petits papillons. Deux jolies petites cages. Ils sont très jolis, ils sont fines, les dents. Encore une autre petite cage. Et ça, c'est une jolie dame. Regardez comme c'est joli. Très joli, hein. Et une deuxième. Très, très jolie. Merci, Christine, pour les découpes. Sont très très jolis, hein. Donc les petits pigeons là, comme ça, les petits pots, voilà, les petites cages, les petites cages. Je prends mon temps, hein, parce que quand même la personne. Ah si, elle a fait tout ça, alors hein, on prend son temps pour montrer tout. C'est déjà très gentil de sa part de m'avoir envoyé, alors, donc on prend son temps pour montrer tout ce qu'il y a. Merci beaucoup Christine, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Et les petites dames, elles sont très jolies tes découpes, merci. Et ben voilà le petit courrier de Christine. Merci beaucoup. Je vais tout garder, tout bien ranger. C'est très joli. Voilà. Et ben pour ce petit courrier qui me fait très plaisir. Donc sa petite carte, je vous remontre. Mais écoute Christine, hein, tu t'es vraiment bien débrouillée pour le chabi. C'est bien ça. Hein. C'est bien ce que tu as fait. Hein. Et même avec le moyen du bord, comme tu dis, c'est très très joli. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Bien. Donc, sa petite Memory Dex, que je vous remontre. Voilà. Et son petit ATC, qui est déjà rangé. Avec celui-là de Sylvie, et puis le mien que j'avais fait. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Christine. Bon, ben je vais vous laisser avec ceci, sauf une petite chose. Je voudrais demander à Dan, Dan Gédégomin. Écoute, Dan, je n'arrive, tu m'as toujours, tu dis que tu m'as envoyé ton adresse mail, quoi, postale sur mon adresse mail. Mais écoute, ça fait deux fois que je te demande, c'est vrai, mais deux fois, je ne l'ai pas. Et donc, tu vois, ton petit paquet, il est prêt. Mais je ne peux pas te l'envoyer. Alors, si tu regardes la vidéo, eh ben, réessaye de me renvoyer ton adresse postale. Parce que ben, j'aimerais bien t'envoyer ton petit courrier rentrée des classes ATC. Voilà, Dan, si tu regardes la vidéo, eh ben, c'est ce que je voulais te demander. Sinon, j'ai encore le petit courrier à envoyer à Nénette. La carte est prête, tu vois Nénette, la carte est prête. Mais bon, j'ai bien reçu l'adresse de Nénette, mais Dan, je n'ai toujours pas ton adresse et ça m'embête. Voilà, et eh ben je vais vous laisser, je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Bisous, à plus tard, excusez-moi pour les chutes de téléphone. Bisous.